Abat mater dolorosa, juxta crucem lacrymosa, dum pendebat filius. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti munditum. Première station, Jésus est condamné à mort. Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Qui se fait roi s'oppose à César. » Pilate, à ces mots, fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal, au lieu appelé le dallage, en hébreu Gabbata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Eux disaient, « à mort, crucifie-le. » « Crucifierai-je votre roi ?» leur dit Pilate. Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons d'autre roi que César. » Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti munditum. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Alors, les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre, tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête, et ils lui mirent aussi un roseau dans la main droite. Puis, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. O quam tristis et affligata fuit illa benedigata, mater unigeniti. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti munditum. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Vraiment, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, broyé par nos iniquités. Extrait d'une lettre du Padre Pio au Père Agostino. Grâce aux faveurs dont Dieu ne cesse de me combler, je trouve que je fais beaucoup de progrès dans la confiance en lui. Auparavant, il me semblait parfois avoir besoin de l'aide d'autrui, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je sais par mon expérience personnelle que le véritable remède pour ne pas chuter, c'est de prendre appui sur la croix de Jésus, en mettant toute sa confiance en lui seul, car c'est pour notre salut qu'il a voulu y être suspendu. Quae merebat et dolebat, pia mater dum videbat. Nati penas incliti. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti munditum. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Siméon dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant amènera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. »
Extrait d'une lettre du Padre Pio au Père Agostino. Efforçons-nous, à l'exemple de tant d'âmes élues, de nous tenir toujours derrière cette mère bénie et de marcher à sa suite, car il n'y a pas d'autre chemin qui conduise à la vie que celui que notre mère emprunte. Ne nous en détournons pas si nous voulons atteindre notre but. Restons toujours unis à notre mère si chère. Avec elle, sortons de Jérusalem auprès de Jésus, car Jérusalem symbolise l'obstination du peuple juif, du monde qui rejette Jésus-Christ et le renie. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret? In tanto supplicium. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemissimum tuum. Cinquième station, Jésus est aidé par Simon de Cyrène. Comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène nommé Simon, et ils le requirent pour porter la croix de Jésus. Ne refusez d'aucune manière et pour aucune raison de faire la charité à qui que ce soit, nous dit le Padre Pio. Mieux, si l'occasion se présente, prenez-en l'initiative. C'est là ce que demande le Seigneur, et c'est ce que vous devez vous efforcer de faire. Quis non posset contristari Christi matrem contemplari dolentem cum filio? Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemissimum tuum. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous l'avons vu sans beauté ni éclat et sans aimable apparence. Objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et familier de la souffrance. Comme ceux devant qui on se voile la face, il était méprisé et déconsidéré. Extrait d'une lettre du Padre Pio à Paulina. Regarde combien le visage de notre très doux Jésus est beau, combien ses yeux sont doux. Quel bonheur nous avons d'être près de lui sur la montagne de sa gloire. Dès maintenant et sans mérite de notre part, la divine miséricorde nous donne le bonheur de monter au calvaire. Dès maintenant, nous avons été rendus dignes de suivre le Maître céleste. Pro peccatis sui generatis vidit Iesum in tormentis et flagellis subditum. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemissimum tuum. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Pourquoi dis-tu, Jacob, affirmes-tu, Israël, mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse et son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Extrait d'une lettre du Padre Pio au Père Agostino. Comme il est doux ce nom de croix, ici, au pied de la croix,
Les âmes se revêtent de lumière, s'enflamment d'amour, mettent des ailes pour atteindre des cieux plus élevés. Que cette croix soit tout à la fois notre lit de repos, notre école de perfection, notre héritage bien-aimé. Dans ce but, gardons-nous de la séparer de l'amour que nous portons à Jésus. Sans celui-ci, elle deviendrait un fardeau que notre faiblesse ne saurait supporter. Vidi de suum dulcem natum moriendo desolatum, dum emisi de spiritum. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti munedum. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Si le péché nous déchire le cœur, nous dit le Padre Pio, jusqu'en ses replis les plus endurcis, et y fait jaillir des larmes brûlantes de remords et d'amour, alors il devient une échelle qui nous approche, qui nous élève et qui nous conduit sûrement à Dieu. Eia mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut te cum lugea. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti munedum. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Je dirai à Dieu, vous savez bien que je suis innocent et que nul ne me ravira de vos mains. Vos mains m'ont façonné, formé. Puis, vous ravisant, vous voudriez me détruire. Souvenez-vous, vous m'avez fait comme on pétrit l'argile. Et vous me renverriez à la poussière. Facut arde ad comibum in amando Christum Deum, ut sibi complacea. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti munedum. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats prirent les vêtements de Jésus et firent quatre parts, une pour chaque soldat et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait l'écriture, ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Le lieu du combat entre Dieu et Satan, nous dit Padre Pio, c'est l'âme humaine, à chaque instant de la vie. Il est donc nécessaire que l'âme laisse libre accès au Seigneur pour qu'il la fortifie de tous côtés et par toutes sortes d'armes.
Ainsi, sa lumière peut venir l'illuminer pour mieux combattre les ténèbres de l'erreur. Revêtu du Christ, de sa vérité et de sa justice, protégé par le bouclier de la foi et par la parole de Dieu, elle vaincra ses ennemis, aussi puissants soient-ils. Mais pour être revêtu du Christ, encore faut-il mourir à soi-même. Sancta Mater istud agas, crucifixi fige plagas, cordi meo valide. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Onzième station, Jésus est cloué à la croix. Jésus disait, « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Contemplons avec une reconnaissance émue ce grand mystère par lequel le cœur de Jésus est attiré avec force par sa créature. Adorons le sang versé jusqu'à la dernière goutte pour la rédemption de l'humanité. Alors, dans cette foi, humblement, inclinons devant lui nos fronts impurs avec ce même ardent amour dont il auréole nos âmes. Tu inati vulnerati, tam dignati prome pati, penas mecum divide. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Près de la croix se tenaient sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici votre fils. » Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Souviens-toi de ce qui se passait dans le cœur de notre Mère Céleste au pied de la croix. Au pied de son Fils crucifié, à cause de l'immensité de sa douleur, elle était pétrifiée, mais pas abandonnée. Au contraire, jamais Jésus ne l'a autant aimé qu'en ce moment d'indicible souffrance. Fac mete cum pie flere crucifixo condolere, donec ego vincero. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Treizième station, Jésus est déposé de la croix. Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit le corps de Jésus et l'enveloppa d'un linceul très pur. Gardez-vous de tomber dans l'agitation en luttant contre vos tentations, car elles ne feraient que les fortifier. Il faut les traiter par le mépris et ne pas vous en occuper. Tournez votre pensée vers Jésus crucifié, son corps déposé entre vos bras
et dites: voilà mon espérance, la source de ma joie. Je m'attache à vous de tout mon être, et je ne vous lâcherai pas avant que vous m'ayez mis en sûreté. Iuxta crucem te cum stare, fet me tibi sociare, in plangetu desidero. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti munedum. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Joseph déposa Jésus dans son propre tombeau. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assises en face du sépulcre. Ô Christ, votre règne est proche. Faites-nous participer à votre triomphe sur la terre pour ensuite avoir part à votre royaume céleste. Accordez-nous de pouvoir communiquer votre amour et d'annoncer votre royauté divine par l'exemple de notre vie et par nos œuvres. Prenez possession de nos cœurs ici-bas afin qu'ils soient vôtres pour l'éternité. Ne permettez pas que nous nous éloignions de votre volonté. Que ni la vie ni la mort ne parviennent à nous séparer de vous. Que notre cœur ait sa source en vous, notre Sauveur, pour que, rassasiés de votre amour, nous devenions les apôtres infatigables de votre règne. Que nous mourions chaque jour à nous-mêmes pour ne vivre que de vous seuls.